salut à tous, ici le Super Renin, aussi appelé ça, et on se retrouve pour le 12e épisode de Hamtaro et le... Un empire brisé, et nous, dans le dernier épisode, nous étions perdus dans le vieux manoir, et nous sommes toujours perdus dans le même manoir. Alors là, le vieux manoir va me prendre je ne sais pas combien de temps. Sachez quand même, le vieux manoir, c'est l'avant-dernier niveau, donc quand même, on n'est pas loin du jeu, de la fin du jeu. Pipi! What the fuck, man? Sois fin de ta voix, disparu dans les profondeurs du miroir. Je me demande s'il mène quelque part. C'est suspicieux! Je traverse. Tu pouvais pas ça, faire ça avant. C'est quoi votre truc, effrayer les enfants fantômes? Où est ça, non? Si c'est le cas, essayez de me battre. Un boss! Nom de Dieu, un boss, les enfants! Pour le battre. Comment on fait pour battre un fantôme, les gens? Tac! Putain, il est monstrueux, ce fantôme! Il est là! Cours, cours! Faut faire pipi! Ah bon, j'ai fait un portail. Un taro, attaque pipi! Je sais que t'es pas un pied fameux, mais tu pique-pique. Fais quelque chose. Pique-pique. Putain, je frappe avec un bâton, t'as vu la violence, mon gars. La violence du jeu, quoi. Pique-pique-pique, les gens. Pique-pique-pique pour un truc comme ça. Je suis vaincu. Mais mon dieu, j'ai galéré. Non, j'ai... C'est quoi de ce boss? Sniff, sniff. Vous avez obtenu la carte d'argent. De l'argent. Bonjour, je vais me répartir. Oui, je dis bonjour à un miroir. Mais je vais me partir. Ok, ça va d'un sens, mais pas de l'autre. Bon, bah, c'est la planche. Sniff, sniff. Niveau sniff, sniff. T'as obtenu une planche. Donc après, il faut faire placer. Un truc qui est censé te prendre 5 secondes dans un n'importe quel autre jeu. Ah bah tiens, le coup qui était là est parti. Te prend au moins 5 minutes. Bon, c'est une façon de parler. L'épisode ne fait pour le moment que genre 3 minutes, donc... Ce n'est pas très possible. Ah, Yati, mon jeune ami, tu as perdu ta... Tiens, on se retrouve. Ouais, tu as perdu... Où est ta copine? Fermé de l'intérieur, impossible de l'ouvrir. D'accord. Bon, mes jeunes amis. Ah bah je peux faire ça maintenant. Emporte. Yep. Alors je vous avouerai que... Alors, maintenant j'ai la carte pour ouvrir ça. Ça permet d'accéder à ces pièces. Ok. La boutique. Bienvenue à la boutique âme. Approchez-vous. Vous pouvez encore acheter 30 objets. Je ne veux rien acheter. Robe mariée, d'accord. Mais moi j'ai le costume. Non, on va rester à poil. Je vais prendre l'ascenseur. C'est des hamsters quand même, ils ont réussi à construire des ascenseurs. Je ne dis rien, mais c'est particulier déjà. Les hamsters super futuristes. Ah, regardez, Toplayernes, c'est son... Quoi? Comment ça, quoi? Attends, il faut faire un air intello. Eh là, quand je dis quoi, je dis c'est quoi? Ah oui, parce que quand je dis quoi, je veux dire quoi? Peu importe. Cause toujours. Topla et Ernest, deux hamsters qui sont dans l'animé aussi. Écoutez, vous autres, on se préparait à gagner un prix fantasmatique pour Pashmina, mais d'accord. Bien, on est arrivé là, Ernest a la bonne idée d'arrêter qu'il ne m'écoutait. Alors, on est. Ce qui est si évident que je suis le chef, et que tout le monde doit écouter le chef. Ça va, tu te mesures un peu pas la taille de la queue, là? Non, il me ignore. Attendez. Là, ça s'ouvre. Je regarde un peu. Alors là, il y a. De canapé. Là, y a quoi? Coup d'œil. On va lire le journal. Oui, ça c'est un journal, excusez-moi. Page du journal. Je étends le froid. La cheminée est ma meilleure amie.
D'ailleurs, il y a une cheminée. Sans déconner. Ah, il me manque un mot. J'attaque une cheminée, genre, je suis très intelligent. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ah, il me manque un mot. Ça s'ouvre, ça. Ok. J'ai la chair de poule. Hein, y a pas grand chose à faire, j'ai l'impression. J'attaque un piano, de mieux en mieux. On sait jamais, en attaquant des mots, je dis bonjour à un piano. Ouais, bon. Je regarderai entre l'épisode 12 et 13 le mot qui manque. Les mots qui manquent en général. Bon, eux deux. Commencez. Ah, Fury. Non, le jeu il t'apprend du coup. Eh là, pas besoin de. Mais tu sais que tu as raison. Plus de maturité, voilà la solution. Bon, Panami n'est pas du tout Ernest, c'est vous deux, assez, vous essayez de nous embrouiller. Et voilà. 51ème mot, Panami. Okay. Absolument aucun problème. Oui, oui, tu as raison, tu ne battras pas, Amtaro, ah ça non, allons-y, top là. Alors le tableau m'a l'air suspect. Ouais, il est en effet très suspect. En barté. À mon avis, les rapports pour quelqu'un. Les yeux, je crois qu'ils me suivent. Alors ça, c'est, je crois que c'est pour plus tard, ça. C'est pour un autre couple. Ce tableau donne une drôle d'impression. De toute façon, il faut faire tous les coups pour finir un jeu. Ah, ça, c'est suspect. Bon, bah, on peut monter. C'est suspect, ça fait froid dans le dos. Ah bonjour, le hamster qui vole. Ahem. Je veux dire, je suis un patron, vous ne passerez pas. Ah ouais, si je fais ça. Ah, il va se passer quoi. Ce n'est pas très gentil. Vous m'avez énervé, grave, trop tard pour vous refuser. Le sol, le feu, pour vous détruire maintenant. Oh. Le feu, pas de problème, pas mis, bah bon. Ah, je suis fait. Voilà les gens. Ah, top là. Ah, ah bah là. Ah, la même, exactement comme ça que top là a disparu. Pardon, oui, j'aurais pu le dire plus tôt. Mais t'es une saleté. T'aurais pu me le dire avant, en effet. Moi, je suis venu pour te parler, moi. Ouais, je pourrais m'accrocher et me laisser descendre avec ça. Tu en penses quoi? Bijoux, j'ai trouvé la corde. J'ai trouvé, je vais la chercher. Il n'y a plus personne. Je dois trouver un tarot. Attends, si tu vas plus loin, tu passeras à la trappe. Tu passeras à la trappe. Elle est nulle. Ah, un fantôme! Ah bah y'a que ça de toute façon. Ah non, on fait un concours de astiquet. Ouh, amusement garanti. Oups, je m'excuse, mais cet événement est réservé au couple. Ah ça c'est pas ça. Salut messieurs dames. Ou messieurs, je sais pas. Elle ne bouge pas, il nous faut peut-être une carte télé. Tu peux le faire, j'ai fait un effort. Ouais, tu as raison, c'est parti. Okay. Et puis, vas-y, un hamster rose. Un hamster rose, un hamster gris. Avec des lunettes. Ton animé disparu, on n'a pas vu. C'est très très. Ok, super. Coup d'œil. Ce tableau représente un hamster très triste. Ça sent le couple, je sais pas vous. Oui, il y aurait quelque chose sous le tapis. Ça sent le tapis, cette histoire numéro. Continuez à ce que vous êtes en train de faire. Alors, il faut aller. Donc déjà, il faut trouver... Parce que je vois, il me manque de mots. Ah,
Parce que j'ai la liste des mots en fait, là, par niveau. Alors, bon, toi, tu me fais toujours flipper. Toi, elle est là. Ah oui, bah oui, la cheminée, je suis con, moi aussi. Maintenant, je peux l'allumer. Oui, parmi, ça veut dire allumer en gros. Ça sert de briquet. Il y a du feu dedans, dans la cheminée. Ah, la chaleur! Bon, on s'occupe de ces deux petits vieux et on arrêtera cet épisode. Il sera très court, mais c'est... Chandelle mal allumée. Désolé, une mauvaise habitude. Haham. Ah bon? Une fois, t'as tes chandelles mouillées. Tu te moques de tes dîners. Soyons sans blague, attaquez sur moi. Comme preuve de notre amitié, pourrais-tu faire toc toc sur mes épaules? T'attaques quand même, c'est la vie d'un amour. Il te fait avancer, quoi. Belle morale. Belle morale, les enfants. Ceci est une très très belle morale. Bon, bah, toc toc, alors. Donc, toc toc, c'est un fantôme. Il est toc toc, le fantôme. Oh, j'ai trop peur, je suis à nouveau un terre. Mais de pas côté, je ne veux pas partir maintenant. Oh, je veux discuter plus. Ok. Les hamsters du coin sont bizarres, je vous l'annonce. Ouh la maman, quelle veine, Joyfie, viens me parler. Ouh, on a trouvé l'hamster pédophile. Ouh maman, pour être franc, je suis si content, mais je le ferais encore si tu faisais tout si dans mon dos. Ouh, alors là, désolé, mais il y a un sous-entendu qui me fait peur. Poussé. C'est très suspect. J'ai appris Pussy. Pussy, Pussy. Faut comprendre. Ok, j'ai fait quoi là? Ah bon, c'est super, hein, je suis presque en vie, maman. Je vais me reposer. Au revoir, mignonne. Qu'est-ce que c'était? Bon, l'épisode se termine ainsi. Merci de l'avoir regardé. À bientôt. Tchuss.